le banc et la liseuse. Il est des bancs publics, sinon relevant du privé. Moi, c'est de ce dernier dont relève ma destinée. J'aurais pu être de bois ou bien d'acier, mais pour ma part, je suis l'œuvre d'un carrier. De dalles dressées le long d'une paroi rocheuse, j'ai à présent vocation le bien-être d'une liseuse. Ainsi, l'été, je reçois à l'ombre d'un feuillu ma maîtresse, lectrice assidue. Coiffée de son élégant chapeau tressé, elle reste sur moi de longues heures concentrées. Plus sa lecture dure et la passionne, et c'est autant pour moi qu'elle s'abandonne. Si une collation vers 16 heures l'absente de ces lieux, c'est, avec impatience retenue, que j'épie son retour des yeux. Mais l'hiver est plus triste, je me retrouve seul, couvert de neige, en guise de linceul. Alors, j'attends, impatiemment, le printemps puis l'été, pour retrouver enfin ma liseuse préférée.